On termine le Shlakadosh, on s'est dit. Je suis ému. Ça fait pratiquement un an qu'on était dessus. Enfin, sur les Sharaotiot. On y va? Ça fait toujours un peu de pincement au cœur de dire que voilà, mais bon, le Chazara. Et il termine, il dit comme ça. Alken, Bechol Yom Vayom Kodem Ashriva Yer Agil Adam Kol Yeme Chayav Le Esof Banav Ubne Beto Vitoreru Vipashpeshu Bemase Ayom. C'est pour ça que chaque jour, une personne, elle aura l'habitude, avant de se coucher, avant de dormir, de rassembler tous les gens de sa maison, ses fils, ses filles, sa femme. Tous les jours, il dit le Rav, tous les jours. Tous les jours. Kol HaKavod. Et tu rassembles tes filles, tes fils, ta femme. Vipashpeshu Bemase Ayom. Et que chacun, il vérifie, qu'il fasse le compte, qu'il fasse le bilan de ce qu'il a fait la journée. Ouais. Faut réveiller les enfants à ça, faut réveiller la femme à ça, faut réveiller la maison à ça, pas que toi. Parce qu'en réalité, que s'il n'y a que toi qui travaille, ça ne sert à rien, fils. Femme dans un couple. Il doit faire quoi? Le soir, il vient, il dit quoi? Avant de dormir, tu vas voir tes enfants, tu vas voir ta femme. Tiens, chérie. Maintenant, il faut. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui, chérie? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'on soit ensemble. En quoi notre couple est plus fort qu'hier? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? C'est un dialogue. Il y a un dialogue. Bien sûr. Bien sûr. Personnel, seul après, avec les enfants. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui de bien? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a rajouté dans la maison? Quel douchin on a rajouté dans la maison? Qu'est-ce qu'on a fait de plus à la maison? Qu'est-ce que la maison, elle est mieux qu'hier. En quoi la maison est mieux qu'hier? Chérie, tu m'aimes plus qu'hier? Regarde, dès que je parle de ça, lui, ça y est, c'est fini. T'as vu, c'est la réveillée. Non, parce que lui, il fait ça tous les soirs. Ça lui parle. Ouais, ça lui parle. Oh, s'il vous plaît, vous êtes des vieux bougs, plus un jeune. Ouais. J'ai les talons en plein temps. Parle pour toi, hein. Parle pour lui. T'as compris ce que ça veut dire? Tous les jours, tous les soirs. Et si jamais quelqu'un il trouve qu'il a fait quelque chose qu'il ne fallait pas, tout de suite il va se tchouva. Tout de suite il répare. Mais tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? D'abord on l'oublie, mais plus que ça. Pourquoi il te dit de le faire en famille aussi? Le faire en famille. Avec la femme, les enfants, le faire tous ensemble. Qu'est-ce qu'on a fait? Le faire tous ensemble. Cette introspection intérieure, il faut la faire tout seul, individuellement, mais aussi le faire en famille. Lama, parce qu'au niveau micro, on va pas voir au niveau macro, au niveau micro, lorsque l'on dit que Kol Israël arrive Mizelazé, on est tous dans le même bateau, même au niveau familial, on est tous dans le même bateau. Ça veut dire qu'il faut que les enfants ils comprennent, la femme ils comprennent, et le mari comprend, qu'on a tous un même projet. C'est très souvent pourquoi ça marche pas, pourquoi ça va pas, pourquoi il y a des mots, pourquoi des mots M-A-U-X qui vont après donner à des mots M-O-T-S. Hein? Pourquoi? Parce que très souvent, comme dirait Jean-Jacques, je marche seul. Soit le mari, il a oublié les autres derrière lui, et il avance. Soit la femme, elle a oublié les autres, et elle avance. Soit l'autre. Chacun, il vit pour lui-même. Chacun, il vit seul. Chacun, il vit pour lui. C'est la plus grande erreur dans un couple. Vous savez, pour que tu réussisses même au niveau de ton business, que la femme réussisse au niveau professionnel, au niveau de ce qu'elle fait, les enfants. Surtout, je parle des parents là, moins que les enfants. Il faut qu'on arrive à associer notre épouse ou notre époux, mais en l'occurrence, là, je parle à vous, donc notre épouse, et nos enfants à notre projet. Tu comprends ce que ça veut dire? Il faut faire participer la maison à ton projet. C'est pas. Voilà, t'as dit le mot. C'est pas un projet personnel. C'est pas un projet personnel. Tu comprends? Il faut que c'est un projet commun. Je te donne un exemple. Moi, j'ai toujours entendu qu'il fallait pas trop partager avec les femmes sur son business. Alors. Il n'a pas parlé de business, moi. Oui, il est professionnel. Professionnel. Je te parle de projet. Je te parle pas de lui dire qui t'a vu, combien t'as payé, combien t'as pas payé. Et projet, même business. C'est-à-dire que maintenant, toi, t'as un projet de business. D'accord? T'as un grand projet de business. Tu vas être. Dans ta tête, tu veux être
un entrepreneur de t'ouvrir une boîte de X ou Y chose. On s'en fout de la boîte que tu ouvres. Tu ouvres une boîte, d'accord ? Ouais, boîte de X, non, c'est vrai. Quoique pour la femme, c'est un putain projet, ça dit, qui a très très bien famille. T'as pas honte. Eh, jeune étalon, mais t'as compris, hein ? T'as compris. Écoute bien. Écoute bien. À partir du moment. Ouais, tant qu'il rentre, c'est bien. À la maison. Oh, oh ! Prends un croissant. C'est pas possible. C'est l'âge. Dès que ça commence, il faut la manivelle. Les mecs, ils, voilà, il faut qu'ils en parlent. C'est comme la pub. C'est comme les chips. C'est ceux quand. Le mange le plus qu'on parle le moins. Bon, allez, c'est bon, on avance. T'as compris l'histoire ? Et comme ça arrive à un âge, il en parle toute la journée. Qu'est-ce qu'il y a ? Il reste que ça. Qu'est-ce qu'il y a ? Bon, bref. Dès que t'as un projet, même dans le business, d'accord ? Et ce projet-là, il va te demander de voyager, il va te demander de faire des choses, il va te demander un entrepreneur. Tu vas être un entrepreneur, tu vas devoir faire des entreprises, entreprendre des choses, ok ? Faut que tu fasses participer la maison à cela, les enfants à ça. C'est-à-dire que tu as un projet, des fois même tu vas prendre tes enfants au travail avec toi. Donc écoute ce que je te dis. Tu vas prendre, ils voient où papa il travaille. Ils voient ce que papa il fait. Voilà ce que je fais toute la journée, mon fils. Voilà ça comme mon boulot. Voilà à quoi ça consiste. Et pourquoi je le fais ? Pas quand il a 3 ans et 2 ans, il comprendra rien. D'accord ? Quand il a une maturité. Tu comprends ce que ça veut dire ? Ta femme aussi, tu vas participer. Ta femme vient une fois au bureau, elle voit là où tu travailles, qui c'est, quoi, avec qui tu travailles. Tu comprends ce que ça veut dire ? C'est pas dire qu'après tu vas raconter qu'est-ce que tu as fait, le business, combien tu gagnes, j'ai gagné ceci, j'ai gagné cela, et tu rentres dans les détails, on n'est pas en train de dire ça. Parce que même c'est malsain par rapport aux enfants. Parce que l'enfant, il peut répéter, il peut truquer, machin. Tu le fais participer. Tu sais quoi ? Plus que ça. Quand tu rentres le soir, Donne une idée comme ça, la femme sort une idée, elle ne s'occupe pas du tout. Hein. Elle donne une idée, c'est sur cette idée-là. Tu rentres quand tu appelles un coup de fil, tu arranges, au bout d'une semaine, tu arranges. Écoute, et regarde comme c'est. Et tu sais, voilà, il a fait. Non seulement toi, tu as été gagnant dans ça, mais c'est pas ça. C'est que la femme, elle se sent partie intégrante de ton existence. Parce que, excusez-moi, d'accord, on sait tous que lorsque le type, il a son travail, c'est le travail. D'accord ? Et donc, la femme ou même les enfants, ils peuvent se sentir, même pas que étrangères, secondaires même. Non, t'es pas secondaire, tu fais partie intégrante de mon projet. On est tous dans le même projet. Et comme il a dit, non seulement d'abord, elle peut te donner un conseil, et c'est tellement vrai, mais plus que ça, c'est va que sentir concerné parce que tu es, tu sais le bien-être que la femme, elle peut ressentir. En plus, tu l'as écouté parce que c'est un vrai conseil et ça a marché, mais tu te rends compte ce que ça peut faire. Elle se sent en partie intégrante de ton existence. Et vice-versa, hein, d'accord, là, je parle à vous parce qu'on est des hommes. Tu comprends ce que je veux dire par là ? Tu comprends ? Tu rentres à la maison. C'est pas tout dire, c'est. Pas du tout, c'est pas ça que je dis. Faire participer. Je vais te dire un truc. Il t'est arrivé un truc dans le boulot, un truc qui n'est pas anodin, d'accord ? Une vraie, très belle histoire, une histoire, un machin, un truc. Sans rentrer dans les détails de l'argent par l'argent, je parle pas de ça. T'es arrivé une histoire, ça nous a plus qu'une histoire dans le boulot. Bizarre, t'es jeune, toi. Faut pas lui dire ça. Bizarre, t'es jeune, d'accord ? En tout cas, il t'est arrivé quelque chose dans le boulot, d'accord ? Mais pourquoi à table, quand vous mangez en famille, tu racontes pas ça même aux enfants ? Alors je raconte à table, mais même aux enfants ! C'est un truc sympa. Même ils peuvent apprendre de ça. Fais les parties. Donne-leur de l'expérience. Donne-leur ton expérience. Ça fait partie. L'expérience de la vie, ça fait partie de la Torah. L'expérience de la vie. Ton enfant, il va grandir avec ça. Ça entend. Il a fait. Bah, d'ailleurs, c'est ça qu'on est en train de dire. T'as un même projet. T'as un même projet. C'est-à-dire que les enfants, ils sont pas là. Le papa, il est même grave. C'est quoi grave ? Tu sais qu'il peut avoir un décalage, mais complet entre toi et les enfants. Mais dans tout, hein. Fais-les participer, essaye de les faire participer. Il faut avoir cet esprit d'entreprise, c'est un entrepreneur. C'est pas facile, c'est pas simple. Parce qu'on n'y pense pas, parce que l'homme il est très individuel. Et puis même sans individuel, on se dit bon, qu'est-ce qu'ils vont comprendre, à quoi ça sert ? C'est moi, c'est ma vie, c'est mon. Zélon Achon. Fais l'expérience, tu verras que ça marche. Malheureusement, des fois on le fait pas et on le fait trop tard. Et des fois, bon, non mais Chané, il est jamais trop tard pour. Mais tu comprends ce que je veux dire ? C'est un projet commun. Et même il dit le Rav ici, même dans cette Hitbo des doutes, d'accord ? Qui est personnel, il faut faire ce Khejbon Nefesh aussi ensemble. Qu'est-ce qu'on peut améliorer ? Pourquoi est-ce que Shabbat, à chaque fois que Shabbat il arrive, on crie ? Qu'est-ce qu'on peut faire, les enfants, pour améliorer ça ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? On va pas laisser maman dans la cuisine pendant un truc en train de gueuler, en train de truquer, elle ne s'en sort pas. Qu'est-ce qu'on peut faire pour. Après, papa, il a un truc quand il sort pour machin, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et on voit pour chacun, qu'est-ce qu'on peut aider ? Toi, en maths, ça va pas. Qu'est-ce que je peux faire ? On a un projet commun, on est une famille. Si mon frère, il n'arrive pas dans les mathématiques, l'enfant, vous êtes des frères et sœurs. Il faut les motiver. Il faut créer cet ardoute dans la maison. C'est pas simple. Parce que l'homme, il est très individuel, l'homme avec un grand H. Hein.
On est tous un trésorier. L'enfant, alors, on ne raconte même pas. Vole-lui son, ou prends-lui simplement sa majorette. Pas la majorette, majorette, hein, qui fait la majorette. La voiture majorette. Ah, ils s'énervent, ils disputent, ils se truquent, ils se font les chignons. C'est les enfants. Mais il faut les éduquer dans ça, il faut leur apprendre à ça. Faut, tu comprends? Il ne faut pas laisser. Et c'est tellement vrai. Et donc là, tu dis même, Michlal, dans cette, ce projet commun, entre guillemets, de rendre meilleure la maison, meilleur le foyer. Et pas au petit bonheur la chance, chacun fait ce qu'il veut et puis c'est comme ça. Surtout qu'on sait tellement que c'est tellement vrai. À partir du moment où il y a un fruit qui est pourri, tous les autres fruits deviennent pourris. Et là, il ne faut pas laisser un fruit pourrir. Et des fois, et là je vais vous le dire comme je pense, et des fois, la Gemara dit que l'homme, il doit des fois arzari avec ses enfants comme le corbeau. Cruel comme le corbeau. Bah, des fois, tu dois prendre des décisions qui sont très difficiles, très dures, mais pour le bien-être même de l'enfant qui ne le comprend pas, ou de la maison, il faut prendre des décisions qui sont dures. En mal à la sorte. La Gemara dit que des fois, les parents doivent être durs comme le corbeau avec les enfants. Parce que le corbeau, il bouffe ses enfants. Dans quel sens, dur? Il les reconnaît pas, il les tue. Comment? Dans quel sens? C'est que des fois, je vais te dire tout simplement, l'enfant, il part en vrille. Je te donne un exemple. Tarles, d'accord? L'éducation d'Israël, c'est très compliqué. Et plus compliqué qu'en France. On le sait tous. D'accord? Ici, tout est libre, tout est chochi, tout est machin, tout est... On y va. Ok. L'enfant, il commence à avoir son adolescence. Pendant l'adolescence. C'est la guerre 14-18, d'accord? Dans son adolescence. Il commence à voir, qu'est-ce qu'il va faire l'enfant? Qu'est-ce qu'il fait en premier l'enfant, quand il commence à être en crise? Qu'est-ce qu'il fait? Il va jauger. Première chose, je parle d'un enfant qui vient d'une maison, il y a les parents. Il va chercher les limites. Il va jauger jusqu'à où je peux aller. Où est la ligne de rouge du papa-maman? Si maintenant les parents, mais il a du terme, et je vais le dire clairement, et ça va plaire à notre ami Raphaël, mais il faut le dire, en mala asot, ce sont des Tunisiens, jbeba, mais il a du terme, chez Chalik, Jbenti, Echweldi, le pauvre, il est jeune, il faut qu'il truc, et non, et pourquoi? En vérité, le Tunisien, je vais t'expliquer ce quoi son gros problème. Bien sûr que c'est filmé. Le Tunisien, c'est quoi son gros problème? C'est quoi notre problème? C'est qu'on est. On est. Non, mais sérieux, et c'est un défaut, hein. Le Tunisien, il est trop à fleur de peau. Trop à fleur de peau. D'ailleurs, les Tunisiens, même les Arabes Tunisiens, d'accord, je parle des Tunisiens, en Afrique du Nord, ils sont appelés les gonzesses d'Afrique du Nord. Mais mec, ils sont. Tu lui mets un chat qui fait écraser. Il va pleurer, le Tunisien. Ça. Bon, ça va, tu vois ce que je veux dire? Il va parler, ils vont pleurer. On est comme ça, je suis comme ça, donc je sais de quoi je parle. On est comme ça, on est à fleur de peau. On est à fleur de peau. Le Marocain, même il a perdu sa mère. Non, je rigole. Khazveshal. Eh, on rigole, d'accord? Mais ça, non. Ça, c'est un plus que vous avez. Sérieusement, c'est un plus. Nous, on a ce truc-là, c'est voilà. Non, mais. Non, mais oui, ça va. Mais, non, mais là, mais non, d'accord. Mais on est, là, tu vois ce que je parle, quoi je parle. On est à fleur de peau, chez Chalik. Qui? Les Marocains ou les Tunisiens? Je t'assure que non. Oui, comme ça. C'est l'intelligent. Bon, bref. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, on est ce truc-là. Bon, après, je rigole, je caricature. Et, mais pas un Marocain comme ça, un Tunisien comme ça, un Tunisien comme ça. Mais en général, la femme, elle a très très tendance à être comme ça. L'enfant, il commence à sortir les copains, les machins, les trucs, les bidus. Ok, tu lui dis, écoute, mon fils. Voilà, tu commences à. Tu rentres à 11h. Il a 14 ans, le gosse. Déjà, 11h, c'est énorme. Tu rentres à 11h. Attention, je te fais confiance. Prends tes devants, tes machins et tout ça. Première fois, il te rentre à 11h15. Bon. Écoute, je t'avais dit 11h. Cette fois, je laisse passer, fais attention. Mais qu'est-ce qu'il fait? L'enfant, c'est comme ça! Il jauge! 11h15, c'est passé comme. Hop! 11h30. Écoute, chérie. 2, mais pas 3. Là, tu ne. Ah, c'est passé 2 fois! Et là, 2h du matin. 2h du matin. Je ne parle pas, il est pas rentré à 11h30. Il y avait même. 2h du matin. Il ne t'a pas répondu. Tu ne sais pas où il est. Qu'est-ce qu'elle fait, la mère? Qu'est-ce qu'il fait, le père tunisien? La police, la châtiment. Non, moi je suis Chalik, bon il est jeune, laisse-le, et c'est arrivé, vous dites comme ça. Nous aussi, la phrase. Nous aussi on a fait ça. La phrase qui tue, mais la phrase qui tue l'éducation. Nous aussi on était jeunes, nous aussi on a fait ça, nous aussi et nous. Mais si nous aussi, attends. Mais là je veux dire un truc. Si des parents espèrent que leur enfant leur ressemble, d'accord, c'est des fonctionnaires de l'éducation. Attends, il faut espérer que nos enfants nous dépassent, que nos enfants soient meilleurs que nous. L'enfant il vient par les parents, ils ont fait tchouva. L'enfant, il s'est dit, mais papa, toi, tu étais avec des filles. Mais chérie, moi, j'ai fait tout un cheminement. J'ai pas eu cette chance que toi, t'as eu. Moi, je vais te donner le meilleur, je vais te mettre au top. J'ai pas envie de. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, mais nous aussi, comment on était? On connaissait rien. On savait même pas.
On est allé voir Basic Instinct à Sarcelles. On avait passé 16 ans, on a trafiqué des trucs, on est rentré. Eh ben, c'est, c'est du vécu, fils. Et on était comme des malades. Mais personne ne disait que c'était pas bien. Mais je suis sérieux. Comment c'était la bar mitzvah? Hein? 13 ans. Alors on va où, chérie? On t'amène où? Non, mais je suis sérieux, t'entendais ça. Oh, oui, ça, j'ai appris ça, sinon. Bon, calme-toi, déjà. Tu vois, c'est les souvenirs, reviens. Les souvenirs. Le cadeau de bar mitzvah. D'accord, Hachem Ishmor. Tu veux que je te dise, mon tzadik, rien que d'en parler, même s'il n'y a pas. Bon, il n'y a pas, on rigole. Rien que d'en parler. Dans quoi on a vécu, tzadik? Ce que je veux dire. Ce que je veux dire. On s'est rattrapé au mariage. Pour le mariage? Deux. Deux. Tu comprends ce que je veux te dire? La phrase magique du Yetzarara, c'est quoi? C'est quoi la phrase magique du Yetzarara? Et nous aussi, on était comme ça. Et nous aussi. Mais dis-moi, t'es un fonctionnaire d'éducation ou quoi? Moi, ce que je veux profondément, c'est que mes enfants me dépassent. J'ai pas envie qu'ils soient comme moi, parce qu'on n'est pas dans la dope, sinon, fils. Tu comprends ce que je veux te dire? T'entends ce que je veux te dire? Donc, si l'enfant il rentre à 2h du matin, faut être cruel! Tu lui prends un sac, tu lui mets un sac de couchage et tu lui mets dehors devant la porte. Mais il pleut, papa! Eh ben, c'est bien, je suis content pour toi. Je suis content. Et un enfant, alors je vais te dire, il faut nous aussi avoir l'intelligence. À 14 ans, l'enfant, il ne sait pas où aller. Il n'y a pas à me dire, ah, mais après, il va avec des copains. Non, non, non. D'accord? En plus, il fait des bruitages de chats, de loups, de trucs. Tu mets ton téléphone avec le machin. Il est comme ça, il va être comme ça dehors. Parce qu'au début, il nous jauge. Je parle d'un enfant qui a été éduqué comme il faut, papa, un enfant qui a été jeté depuis son plus jeune âge. Je t'assure que le lendemain, il est à 11h, le gars. Mais la femme, non, mais non, regarde, le pauvre, il pleut. Petit chat, il pleut, il va tomber malade. Qui tombe malade? Ou le mari qui était fini, bon, il a le cœur qui sait truc. Bon, c'est quoi, il a 5 minutes, il le fait rentrer, mais c'est mort ton histoire. C'est ça que je veux dire, parfois il faut être cruel, être malassante. Et il faut que l'enfant y comprenne, c'est là où il n'y a pas. Parce que si avec lui, tu n'es pas capable de le faire, mais qu'après les autres c'est fini, tu n'es plus crédible vis-à-vis des autres enfants. Ouais. Donc c'est comme ça, regle d'abord, tu veux pas, il n'y a pas. Et malheureusement, on rentre dans la tête, dire oui, mais alors, et s'il n'accepte pas, c'est pas ton. Hey, c'est comme ça. Je parle de choses graves, hein. Je parle pas de trucs, il s'est trompé de chaussettes, t'as piqué tes chaussettes, quoi. C'est compris, il fait pas le Marocain, là. Voilà, tu vois, là on arrive au Marocain. Il a rien fait, le gosse, tu vois. 11h03, bon, ça va, tu vois ce que je veux dire. Là, je te parle qu'il est en train de. 2h du mat, t'as pas eu de nouvelles, machin. Tu vois que ça part en cacahuète et qu'il n'y a plus. Tu perds le pouvoir. Pouf. Hey. Quand il a 18 ans, c'est trop tard. 18 ans, c'est trop tard, c'est l'âge critique. Quel 18 ans? 15 ans, c'est trop tard. Si t'as pas fait ça depuis au début, qui commence à te jauger et qui sait qu'il n'y a pas reglé à voir. C'est ligne rouge, fils. Dehors, dégage, je veux pas te voir. Tu dors dehors, dehors, avec la pluie. Et je veux qu'il pleuve. Et tu fais Morida et ma chiva, tu fais toute la nuit pour qu'il pleuve, qu'il la bourrasque. Comme ça, il rentre, il est comme ça, et le nez qui coule. Tu comprends ce que je veux te dire? Tu comprends ce que je veux te dire? Haine mala assot. Haine! Faut pas faire, ah nous aussi, il faut comprendre. Et ces trucs là, déjà tout fait, la mère qui est là, mais je. Bref. C'est la génération. C'est comme ça. Faut savoir les prendre, les enfants. Alors c'est vrai, il faut beaucoup d'amour. Bon, ok, d'accord, beaucoup d'amour. À un moment donné, ça dit qu'il va faire avec la mariole, en fait, là. Comment on appelle ça là? Bref, à la folle, quoi. Soit un homme, soit un père, soit une mère. Tu veux éduquer tes enfants. Et très souvent, pourquoi je disais ça? Parce que très souvent, voilà, très souvent, on va s'empêcher. De donner, pas la tlicha, d'accord, mais de faire ce qu'il faut faire, pour qui? Pour nous. On est égoïste, parce que nous, ça nous fait de la peine, parce que nous, ça nous fait du mal, parce que tu vois que lorsque tu laisses ton fils dehors comme ça, quand il pleut à torrent, ça ne fait pas de mal, et toi, tu dors bien la nuit, tu dors pas bien la nuit. Tu vas à l'encontre de ta nature. Ta nature, c'est de le faire rentrer, mon fils, que tu veux manger. C'est ta nature! Mais t'es égoïste. Tu penses à ta pomme, là. Tu penses à toi. Là, tu penses à toi. Tu penses pas à ton enfant. Écoute bien ce que je viens de te dire. Et on termine parce que ça y est, on a fini, on va pas connaître. On termine, mon tzadik. Et il dit comme ça. Ah. Et donc, toute la famille se rassemble. Kreshbon Nefesh. Oui, Maya, Ezet, Kreshbon Torob, Ezet, Mizot, Kablou, Alehem, Léotam, Osim, Omid Gabrim. Les Kaim, Chazek, Vehemat, Vetami, Léosik, Doucha. Et donc, essayer de rajouter la Doucha dans la maison. Qu'est-ce qu'on fait de plus pour Akadosh Borou? Qu'est-ce qu'on fait de plus qu'il y ait une meilleure ambiance à la maison? Veitlapchou, Bemaralot, Tashtika. Et l'essentiel pour qu'une maison elle marche droite, une maison il y a la bracha, qui est la simcha. Chacun il apprenne à fermer sa avec un grand G. D'ailleurs c'est une émission, je peux le dire. Hein, les grandes gueules, hein, à fermer sa Si chacun il sait ouvrir, fermer sa bouche, il sait garder sa bouche. Elle a dit un petit mot, demi mot. Elle n'a pas dit quelque chose de grave.
pourquoi tu surfes sur la vague? Elle t'a juste dit qu'elle aimait pas que machin. Bon, Mlir, elle a dit. Et ton père? Et ton père, il fait pas ça. Ton père et ta mère. Viens, pourquoi? Et après, ces boules de neige, avalanche, pouf, c'est mort, c'est fini. Lama. Lama. Et ne pas répondre. Ch'tika. Ch'tika, tout le monde. Ch'kut. Moi, tu parles de. Moi, tu te portes. Zéou malataïchous. Regarde ce qu'il dit. Zéou malataïchous. Une famille qui est noble. C'est ce que tu vas chercher pour tes enfants dans le chidour. Dans la famille. Ce que tu vois dans la famille. Est-ce que c'est une famille qui parle beaucoup? Qui fait des histoires? Non seulement avec les autres, mais en plus avec elle-même. C'est des gens qui parlent beaucoup. Tu connais cela? Tu as vu Josiane? Qu'est-ce qu'on... Elle m'a vu, elle n'a pas dit bonjour. Elle t'a pas vu, elle n'a pas les lunettes. Arrête, oh, Josiane? Josiane? C'est ça, moi. Josiane? Tu connais pas avec son mari? Attends, on n'a pas fini, on a terminé. Est-ce là? Il reste un mot. Écoute, écoute. Regarde ce qu'il dit, le Rav. Ça, c'est le Ichrous d'une famille. C'est la noblesse d'une famille. Une famille qui ne parle pas en plus. Une famille qui sait garder sa bouche. Elle ne parle ni sur l'un, ni sur l'autre, ni sur les enfants eux-mêmes. Shkut. Et lorsque tu as cette ma'ala du silence, alors vous allez acquérir la tchouk-tchouka. La tchouka, c'est la passion. Chashika, l'envie. Bachavetsa, le désir. Type, il est passionné d'Hachem, passionné de shalom, passionné de simcha, passionné d'essentiel. Ah, vas-y, kouya ma pasouk. Alors tu es sûr que le verset s'appliquera dans ta maison. C'est quoi? Vous êtes tous attachés à Kadash Borou, vivant tous aujourd'hui. Voilà. Une vie remplie. Ouais. Il y avait un bon. Moi, elle a fait zéro encore, parce que je cherche que le bon. Juste termine. On se réunit tous la famille et on ferme sa gueule. Et voilà. Et on mange des amuse-gueules, pour ne pas l'ouvrir. Chez Niske, Ezra d'Hachem, que dans toutes vos maisons, dans toutes nos maisons. Kol Sasson, Kol Simcha, Shtika, Chashika, Tchouka, Chafetza, Lirvod Aborei Barach, qui est un vrai amour, une vraie Ahava, entre les frères, entre les sœurs, entre le mari, entre les enfants, entre les parents, une vraie Ardout, une vraie Simcha, une vraie Gdusha, une vraie Tahara, Lirvodo Barach. Amen.